Abonnez-vous, sur Ecoville TV. Même vous les musiciens qui chantez avec des cachets, vous remarquez pas que vos onctions ont commencé à diminuer? Vous les musiciens qui demandez des cachets avant de chanter, vous ne remarquez pas que lui l'a diminué? Vous avez le succès mais n'avez plus l'onction. Faites très attention, arrêtez de vendre le don de Dieu. Tu vas, tu chantes, l'église est bénie, l'église elle-même pense à toi et te bénit. Mais quand il faut 10 000 dollars d'abord pour venir chanter, fais attention, Dieu va se faire sortir des petits jeunes là, avec des chansons puissantes qui vont cartonner dans la ville et on va oublier tes chansons. Faites très attention. Je ne pêche pas lorsque je demande un cachet. Je ne pêche pas. Je dis pour que je presse, payez-moi autant parce que j'ai des dépenses à faire, j'ai des gens derrière moi. Et M. Marc, je me regarde dans les yeux, je dis, je suis payé pour ce conseil. Je suis pasteur théologien. J'ai fini avec distinction, donc je sais de quoi je parle. Bon, vous savez, frère Max, je vous connais depuis longtemps. Je vois un peu votre manière de voir les choses. Vous avez cette manière de voir les choses-là. Une fois, j'ai fait un concert ici, à l'hôtel Béatrice, ici. Et je sais que vous aviez très mal pris ça, ce concert-là. J'avais pris ça à 100 dollars. C'était le jour de la Noël. Je pense que ceux qui travaillent à l'hôtel Béatrice sont ici. Par la grâce de Dieu, je suis peut-être parmi... Je suis le seul musicien chrétien qui ait rempli cette salle à 100 dollars. Et je suis peut-être parmi les deux musiciens congolais qui l'ont rempli à 100 dollars. Vous voyez? Et pour moi, je suis fier de ça. Pourquoi? Je vais vous dire. Cette femme que vous voyez, elle n'est pas millionnaire. Elle est venue me voir. Elle paye pour que Pasteur Moïse puisse prester avec tous les professionnels qui m'accompagnent. Je me fais accompagner des artistes de Ina, des professeurs de musique, de toutes ces personnes, des danseurs professionnels. La chorale comme Luc Julon, c'est une chorale professionnelle, peut-être la seule chorale que nous avons au Congo. Toutes ces personnes qui accompagnent le Pasteur Moïse Bié doivent être payées. Il y a des ingénieurs de son. Elle travaille pour avoir un podium, pour faire la publicité. Vous êtes là, vous serez payés, vous serez tous payés. Vous voyez, personne ne sortira d'ici gratuitement. Et cette dame se bat pour que vous soyez tous payés, pour que les médias, si M. Max, si cette dame vient vers vous et vous demande de faire passer gratuitement, vous n'allez pas le faire, qu'on se connaît. Je vous connais très bien. Vous voyez, alors, dire que la musique chrétienne, il faudrait faire des concerts gratuitement, M. Max, arrêtez. Arrêtez. Cette dame, elle va vivre comment? Comment elle va récupérer ce qu'elle gagne? Le podium, si vous en avez à nous donner gratuitement, si vous avez des instruments à nous donner gratuitement, des espaces pour la puissance à nous donner gratuitement, nous ferons des concerts gratuitement. Quand elle dit VIP, vous savez quand elle dit VIP, 50 dollars, je ne sais pas, c'est VIP combien ici, pour ces concerts, c'est 15 dollars en plus, seulement ça. Moi, je fais des concerts, moi, mon concert au parking, c'était quoi? Chaque club, c'était 50 dollars avec pigment. Vous voyez, mais elle a mis 15 dollars. Et vous savez comment elle a mis 15 dollars? Elle me disait, pasteur, je vais. On ne le fait pas pour l'argent, on le fait pour la gloire de Dieu. Mais si je peux, moi, vivre de mon travail, mon frère des digital, pourquoi je dois refuser ça? Pourquoi je refuserais, moi, de vivre de mon travail? Si par mon travail, Dieu peut me bénir, je peux m'acheter une veste. Pourquoi je vais refuser ça? Vous voyez? Sur Ecoville TV. Même vous les musiciens qui chantez avec des cachets, vous remarquez pas que vos onctions ont commencé à diminuer? Vous les musiciens qui demandez des cachets avant de chanter, vous ne remarquez pas que lui l'a diminué? Vous avez le succès mais n'avez plus l'onction. Faites très attention, arrêtez de vendre le don de Dieu. Tu vas, tu chantes, l'église est bénie, l'église elle-même pense à toi et te bénit. Mais quand il faut 10 000 dollars d'abord pour venir chanter, fais attention, Dieu va se faire sortir des petits jeunes là, avec des chansons puissantes qui vont cartonner dans la ville et on va oublier tes chansons. Faites très attention. Je ne pêche pas lorsque je demande un cachet. Je ne pêche pas. Je dis pour que je presse, payez-moi autant parce que j'ai des dépenses à faire, j'ai des gens derrière moi. Et M. Marc, je me regarde dans les yeux, je dis, je suis payé pour ce conseil. Je suis pasteur théologien. J'ai fini avec distinction, donc je sais de quoi je parle. Bon, vous savez, frère Max, je vous connais depuis longtemps. Je vois un peu votre manière de voir les choses. Vous avez cette manière de voir les choses-là. Une fois, j'ai fait un concert ici, à l'hôtel Béatrice, ici, et je sais que vous aviez très mal pris ça, ce concert-là. J'avais pris ça à 100 dollars,
C'était le jour de la Noël. Je pense que ceux qui travaillent à l'hôtel Béatrice sont ici. Par la grâce de Dieu, je suis le seul musicien chrétien qui remplit cette salle à 100 dollars. Et je suis peut-être parmi les deux musiciens congolais qui l'ont rempli à 100 dollars. Vous voyez, et pour moi, je suis fier de ça. Pourquoi, je vais vous dire. Cette femme que vous voyez, elle n'est pas millionnaire. Elle est venue me voir. Elle paye pour que Pasteur Moïse puisse prester avec tous les professionnels qui m'accompagnent. Je me fais accompagner des artistes de Ina, des professeurs de musique, de toutes ces personnes, des danseurs professionnels. La chorale comme Luc Julon, c'est une chorale professionnelle, peut-être la seule chorale que nous avons au Congo. Toutes ces personnes qui accompagnent le pasteur Moïse Bié doivent être payées. Il y a des ingénieurs de son. Elle travaille pour avoir un podium, pour faire la publicité. Vous êtes là, vous serez payés, vous serez tous payés. Vous voyez, personne ne sortira d'ici gratuitement. Et cette dame se bat pour que vous soyez tous payés, pour que les médias, si Monsieur Max, si cette dame vient vers vous et vous demande de faire passer gratuitement, vous n'allez pas le faire. On se connaît. Je vous connais très bien. Alors, dire que la musique chrétienne, il faudrait faire des concerts gratuitement, Monsieur Max, arrêtez. Arrêtez. Cette dame, elle va vivre comment? Comment elle va récupérer ce qu'elle gagne? Le podium, si vous en avez à nous donner gratuitement. Si vous avez des instruments à nous donner gratuitement, des espaces pour la puissance à nous donner gratuitement, nous ferons des concerts gratuitement. Quand elle dit VIP, vous savez quand elle dit VIP, 50 dollars, je ne sais pas, c'est VIP combien ici pour ces concerts? C'est 15 dollars en plus, seulement ça. Moi, je fais des concerts, moi, mon concert au parking, c'était quoi? Chaque club, c'était 50 dollars avec pigment. Vous voyez, mais elle a mis 15 dollars. Et vous savez comment elle a mis 15 dollars? Elle me disait, pasteur, je veux. On ne le fait pas pour l'argent, on le fait pour la gloire de Dieu. Mais si je peux, moi, vivre de mon travail, mon frère des digitales, pourquoi je dois refuser ça? Pourquoi je refuserais, moi, de vivre de mon travail? Si par mon travail, Dieu peut me bénir, je peux m'acheter une veste. Pourquoi je vais refuser ça? Vous voyez? Abonnez-vous à Yayaye sur Ecoville TV. Yaya! Si! Papa Denis! Papa Gédéon! Bonne santé! Ngoloupe! 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 Je fous le cap! Papa Denis! Si! Si! Yangola! 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 Wana na zala kibitele ngano Olokota kinga yosu fori ngai Oko misi ngai mosali na yo Nako pesa na yo nili yoswe Kato zope ngolu papadi Na lingele lo tuwe mba mingi Na lingele lo toko misanzambe mingi Toko zota ngolu te Tozo ngolu Tozo ngolu Esa biso biya Batipa zonga Maman Jacqueline tamen Ça c'est dédié pour vous, tous en Ngolou. Aïe aïe aïe, Mikis de Bonbon. Aïe aïe aïe. Osili sa va passi nanga. Oh non non. Tina nini na anyo kwama. Osi onyo kwama po nanga. Na komina suka. Makasi esi lingay. Tesangalo boko na yo. Sale langai ngolu na yo Mosikoli ay 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 haleluya oh no na kobanga te Mosikoli nanga azali akolo benangai azali na Nakolo banini ni susu maloba esilingai nani akososola basi nangai Seyo Yesu esika mayele ya moto esuki Alleluia. Esika ya yo ekomandaka Na bebe liyo kolo nanga Yano langa Na Partiang
Alors c'est un grand plaisir, merci papa d'être venu. C'est moi qui te remercie. Dans cette émission, et ça les bisous bien. Alors Alit Missa, on va juste... Abonnez-vous, aïe aïe aïe, sur Ecoville TV.